Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Univers de la maquette des camions de pompiers. Voilà, je vous l'ai dit, le rythme reprend. Donc une vidéo par semaine. Cette semaine, visiblement, il va y en avoir deux, parce que la prochaine, pour le week-end prochain, est en cours de réalisation. Simplement, là, aujourd'hui, rien n'est séparé sur l'image, tout simplement pour laisser un petit peu la surprise. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler le modèle à venir sur la chaîne, après le véhicule du Grimp qui se termine. Donc habituellement, je vais vous faire voir l'emballage d'un véhicule. Voilà. Alors, ça c'était par exemple l'emballage pour l'Iveco. Donc vous voyez que c'est déjà un gabarit supérieur par rapport à d'habitude. Mais là, je vais vous faire voir l'emballage. Voilà, on ne le voit pas. Et voilà un petit peu cet emballage. Donc vous avez compris que c'était pas forcément un kit en résine cette fois-ci. Je l'ai dit, on va changer un petit peu les plaisirs et voir un petit peu ce qui s'offre à nous, passionnés de véhicules de pompiers et de modèles réduits. Donc, comme dans son habitude, on se retrouve sur la planche de travail et on va aller voir tout de suite de quoi il en retourne. Je vous dis à tout de suite. Et donc voilà le modèle à réaliser. Donc il s'agit d'un Iveco Magirus DLK 2612. Donc en échelle de pompier de la marque Italeri en 1,24. Donc autant dire que c'est un modèle qui est beaucoup beaucoup plus important que celui que je réalise habituellement, dans la mesure où je fais du 1,43. Donc ça change. Donc je suis parti sur un kit en modèle résine, une maquette résine, pour changer un petit peu de ce que je fais habituellement. J'aime beaucoup aussi, j'en ai quelques-uns, j'en avais réalisé quelques-uns. J'aime beaucoup, même si j'ai un petit penchant pour les kits résine, parce que ils sont plus proches de la réalité de ce qu'on peut avoir en France. Mais bon, voilà, il faut aussi varier un petit peu les plaisirs. Donc, Iveco qui est ici, donc assez costaud comme modèle. Donc il est disponible on a quatre versions possibles dessus. Donc il y a deux versions allemandes et deux versions italiennes. On a ici quatre versions possibles. Je ne sais pas encore dans quelle version je vais le faire, même si voilà, je suis en train de faire des petites recherches pour savoir si on ne peut pas le faire en version française, parce que j'ai un penchant pour les véhicules de marque française, voir déjà s'il existe. Je pense que oui. J'avais vu ça dans des ouvrages, mais voir après si je peux trouver les décalques qui vont bien. Donc sur la boîte, on n'a pas grand chose. Voilà, on a juste ici quelques petits détails assez sympathiques, avec le kit que l'on peut avoir, comme je disais, allemand, version italienne avec 4 immatriculations possibles. Voilà, donc conseillé à 14 ans et plus. Ça va, j'ai un petit peu plus, donc je peux le faire. Bon, la marque, je ne vais pas en parler plus que ça, je ne la connais pas réellement. Mais voilà, on va se tester ça. On va faire une petite ouverture de boîte pour voir un petit peu ce que va contenir un petit peu dessus. J'ai oublié de parler que j'ai pris aussi chez Oops Model, je vais les nommer, j'ai pris la gamme de peinture qui allait avec. Ça se réduit à 5 gammes de peinture. D'accord, 5 références de peinture de la gamme Italeri. Donc à voir si ça va suffire ou non, ou s'il faudra qu'on complète avec une autre marque de peinture. Allez, on va faire l'ouverture de boîte.
Alors, on a la notice qui est ici, on va regarder ça juste après. On a les pneumatiques, on voit hein, les pneumatiques qui sont réalisées. 1,43, il n'y a pas photo, c'est complètement différent. Pneumatiques qui sont bien moulées en ensemble. Les grappes, on en a pas mal des grappes, on va les verrer après. Ah, on a un premier sachet donc avec tout ce qui va être partie motorisation, on a la partie châssis qui est pas bien droite, qui est toute tordue. Ça va nous poser des petits soucis. Voilà, on fera une ouverture après. On a les grappes, donc le sachet avec deux grappes pour les échelles. On a un autre sachet qui est ici avec 1, 2, 3, 4 grappes. Donc autant vous dire que c'est assez costaud. Il y a pas mal de pièces, je ne sais plus combien le nombre de pièces, mais il est assez, assez costaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ouverture un petit peu plus détaillé, on va regarder un petit peu les grappes, savoir s'il y a des choses qui sont intéressantes ou non. Et puis on ira sur le schéma de montage. Donc je vous dis à tout de suite, je récupère les grappes une par une et on fait une ouverture et on regarde ça ensemble. Alors, première grappe. Désolé hein, si je donne des coups dans le... Dans l'appareil, il y a le trépied qui est juste en face de moi et qui prend pas mal de place. Je l'ai monté beaucoup plus haut parce que forcément, il y a besoin de monter un petit peu plus. Hein. Mon objectif ne fait pas grand angle, donc j'étais assez limité. Et donc j'ai été obligé de le monter un maximum. Donc, partie vitrée, ici. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir. Vous savez le pourquoi. Donc on a les gyros, on a les optiques, on a les feux, les clignotants, les vitres latérales. Ici, nous avons la calandre à l'avant avec les portières, la calandre avant, l'arrière, le capot. Voilà. Donc là je suis à déjà 174 pièces, je vous dis, hein, il y en a pas mal. Hein. Nous avons ici donc l'intérieur avec les banquettes, le levier de vitesse, le volant, la baignoire, il me semble qu'on appelle ça, hein, j'ai vu une vidéo où on appelle ça la baignoire. Ici, nous avons les échappements, vous avez pas mal de petites pièces, on a la calandre avant également, la partie du moteur qui n'est pas très détaillée parce que de mémoire on ne la voit pas, à vérifier, mais on ne voit pas le moteur. Je viens de m'apercevoir qu'on ne voyait pas bien avec ce qu'il y avait en dessous. Donc c'est ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la grappe est toute tordue. Et donc ça, c'est le châssis. Et autant vous dire que ça va être un peu compliqué à redresser, parce qu'elle est bien endommagée quand même. Elle est vrillée un petit peu sur différents endroits. Donc là, je pense que je vais être obligé d'aller au renseignement pour voir un petit peu comment on la redresse. Parce que j'ai pas assez d'expérience sur les kits plastiques pour voir ça. Donc, première ouverture de sachet. Donc nous avons l'échelle. Le plastique est assez mis très proche. Je n'ai pas allumé la grappe. Bon, alors ces deux grappes qui nous semblent quasiment identiques, mais pourtant qui ont des différences en termes de taille, et elles sont collées ensemble. C'est étonnant.
je ne sais pas si c'est courant, mais ici, je ne vais pas le défaire tout de suite, parce que c'est soudé au bout. Voilà, donc ce qui n'est pas étonnant. Donc on voit mal hein, les échelles, hein, la différence. Vous voyez, c'est un modèle qui va être assez long, parce que de mémoire, il n'est pas loin de 40 cm. Donc ça fait déjà un beau petit joujou. Donc voilà, et on va ouvrir le dernier sachet. Vous voyez, ça fait pas mal de gras quand même. Donc sur le dernier sachet, nous avons un petit peu tout ce qui va être équipement arrière. On a le support de l'échelle, on a les systèmes de motorisation, on a la nacelle qui va équiper l'échelle, on a le système hydraulique qui est ici, les différentes petites pièces, on a des projecteurs, le siège arrière pour l'échelle. Bon, en termes de moulage, je vais vous dire très honnêtement, on a ici une pièce qui est cassée par exemple. Voilà. Ici la pièce elle est cassée, je ne sais pas ce que c'est réellement. Enfin bref, on verra plus tard. Bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que ça donne dans la gamme Italeri en maquette. Ici nous avons les jantes. Les jantes bon, qui sont somme toute très, très basiques. Ouais. Le plastique a l'air quand même assez léger et là je sais pas si vous voyez bien hein, mais il y a pas mal de défauts au niveau de la jante. Bon bah, on va voir ce que ça va donner hein, comme modèle. On a encore toute la partie arrière ici. Oui hein, rien que ça qui va être la partie de l'échelle, ça risque de faire un peu gros. Et la dernière grappe qui est ici, ça fait partie du châssis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette gamme Italeri, savoir si vous avez eu des soucis ou non. Ça m'a l'air quand même assez très basique, hein, très enfantin quand même, hein, je sais pas, hein, sur les détails. Ça laisse, voilà. Vous voyez, hein, je suis à 180, 182 pièces. Donc ce qui est déjà pas mal en soi. Les pneumatiques, on a vu, pas de la peine de revenir dessus. Voilà, et on va s'attarder un petit peu sur la notice de montage. Donc je fais un petit réglage de mon trépied pour que vous puissiez voir. Bouton, là, ça... Ah bah ils sont là, les décalques. Voilà. Donc, là, on a la feuille de soie quand même. Et vous voyez, donc on a allemand, on a une version, deux versions en allemand. La version italienne, on doit avoir deux versions également, mais c'est bizarre, j'en ai qu'une là. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Donc ici, on a un petit... un petit commentaire ici en français, on nous dit les critères en matière de sécurité devenant de plus en plus élevés. Il en est de même des véhicules de pompiers. L'échelle couchée de type DLK 2312 peut atteindre dans son développement le plus grand 23 mètres en hauteur pour un écartement maximum de 12 mètres. Ce type d'échelle peut être installé selon les désirs des clients sur des châssis différents. Les constructions sont effectuées en général par des entreprises spécialisées. On fera un jour une vidéo sur les entreprises, justement, les aménageurs.
Je reprends, c'est le cas du Magirus Iveco. L'échelle est composée de 4 parties télescopiques en acier profilé et est équipée. En tête d'une nacelle de secours dans laquelle peuvent reprendre place 3 personnes. De ce fait, ce véhicule équipé pour la lutte de stabilité lors du déploiement de l'échelle. Ce véhicule est muni de pieds de soutien latéraux. Notre modèle comprend un camion très détaillé, de même qu'une échelle mobile et télescopique. Donc on va pouvoir s'amuser à faire pompon avec. Voilà. On a les petits conseils de montage. Donc on a les grappes, hein, c'est ce que j'avais dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 grappes en termes de couleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà, pour que vous puissiez voir. Hop. Alors excusez-moi si ça bouge. Oh ben non, je ne peux pas faire. En termes de coloris. Alors, on a ici les 8 coloris. Alors c'est bizarre parce que moi je pouvais en choisir que 5. On a du métal gloss silver, j'en ai du pur noir, du pur blanc, du orange, du rouge, on a du bleu. Bah ça c'est pour les jouets en phare. Alors qu'est-ce qui est marqué ? Insignia Yellow, donc on a du jaune que je n'ai pas voyé dans ma panel, enfin j'en ai bien sûr une autre marque, et nous avons du gris. Ok, donc il y aura ici des parties qui seront à souder, et on a des pièces qui ne sont pas utilisées sur cette version. Donc première partie, nous avons le châssis, le deuxième, bah c'est pareil, hein, on a l'essieu avant ou arrière, je ne sais pas, bah ça va être l'essieu avant, ensuite nous avons l'essieu arrière, on vient le mettre sur le châssis, on a la partie motorisation qui est assez basique, et vous voyez c'est ce que je vous disais, c'est que à mon avis, elle ne va pas être visible parce qu'elle n'est pas peinte, voilà, on n'a pas de référence de peinture, sera pas peint. Bon, je pense que pour le plaisir, moi je vais le faire. Hein. On va donner un petit peu de vie sur ce véhicule. Si on le voit, tant mieux. Si on le voit pas, ben c'est pas grave. Je ne pense pas qu'on puisse faire des parties amovibles, mais c'est pas grave. L'étape 5. Donc on vient poser le moteur sur le châssis avec les roues. Le 6, c'est le complément avec des garde-boues et des réservoirs. On va commencer le châssis avant avec l'étape 7, qui est ici. Les parties vitrées qui sont montées. Pas mal d'étapes hein, quand même dessus. Hein. Quand on regarde bien, ça me change des kits résite hein, où il y a 25 pièces. Je pense que ça va me prendre un petit peu plus de temps. On a la cellule avant. Alors, je suis quand même assez surpris parce que on n'a pas beaucoup de détails de couleurs. On imagine hein, effectivement que tout ça, ça va être en rouge. Mais j'ai pas l'information. C'est très étonnant. C'est très étonnant comme. Donc, nous allons avoir les finitions sur la calandre à l'avant. Et on commence à monter l'arrière. Donc, ici. Donc il faut que je l'étudie un petit peu plus simple pour que je puisse regarder. Effectivement, on a les bras de maintien. Je peux vous appeler ça. Et là on commence la partie arrière. C'est quand même, je ne vais pas dire le plus intéressant, mais
l'une des parties les plus intéressantes. On a un système qui est plutôt assez détaillé à l'arrière, donc avec tout le système de chaînes et autres. On a le support de l'échelle, on a pas mal de choses, et alors par contre, je suis assez surpris, parce que c'est très très brouillon sur la partie de l'échelle par elle-même. Je pensais que ça aurait été quelque chose qui aurait été un peu plus travaillé, mais on a une multitude de références sur un tout petit endroit. Voici, on a quelques références de couleurs, mais ça reste quand même assez... assez basique, je sais pas, peut-être moi qui m'attendais à autre chose à l'habitude d'autres modèles. Donc on a la cellule, la nacelle et ensuite le montage qui va aller sur le fil. Bon, cela étant, hein, quelques belles heures en perspective. Bon, je pense que je vais quand même m'amuser, hein, à le faire, même si effectivement je m'attendais quand même à, je sais pas, peut-être quelque chose d'autre. Quand j'ai vu le modèle par lui-même, je m'attendais à autre chose, mais bon, après c'est pas grave, on va bien s'amuser, et puis on va essayer de, je vais essayer de donner un petit peu plus de couleurs peut-être sur les véhicules en allant chercher un petit peu des photos à droite à gauche. Essayer de travailler un petit peu sur l'historique du véhicule, et puis voir, voilà, voir si les, si on peut pas le faire en version française, tant qu'à faire, cocorico, hein, même si en version allemande ou italienne, c'est assez sympathique également. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si, voilà, si vous avez déjà monté ce véhicule par exemple. Je sais qu'il y a des abonnés qui vont le monter incessamment sous peu, donc on pourra se le faire ensemble, hein, ça au besoin. Si vous avez déjà monté, que vous avez des petites recommandations à faire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, à moi et certainement aussi à ceux qui désirent le monter. Voilà. Donc je compte sur vous pour les petits pouces, pour les encouragements, et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao!